Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo plutôt banger. Myriam a une idée incroyable et déjà je suis avec Myriam. Bah j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va faire 24 heures chaud. Elle a dit tout simplement qu'à l'école, elle jouait à chat, c'était un jeu incroyable. Et aujourd'hui, elle veut que toute la journée, les gars, on joue à chat. Non, mais je suis le plus rapide de la famille, ça va être trop facile pour moi. T'es le plus rapide depuis quand? Qu'est-ce que tu racontes? Plus rapide. Les gars, c'est le jeu de votre enfance et si vous connaissez pas chat, vous avez vraiment tout raté. On va proposer un chat à chacun notre tour toute la journée. Est-ce que vous savez, Myriam, j'ai découvert, genre, il y a des gens qui jouent à chat et c'est leur métier. Il y a des professionnels comme des professionnels de foot à chat. Regardez ici, il y a un 1v1 de professionnels, ils ont un parcours comme ça. On va faire ça pour le premier chat de la journée, les gars. Celui qui se fait toucher, il va être trop nul, faut esquiver partout. Et dès que t'es touché, il y a une lumière rouge. Le parcours les mecs. Les gars, ça va être incroyable. J'espère que je vais passer partout avec mon petit corps. Moi je pense en vrai je vais gagner, logique, j'ai le mec du PSG. Le parcours est prêt, j'essaie de faire un maximum comme les professionnels. Mais plein d'obstacles au milieu. Je précise Myriam, pour passer dans les obstacles, on est obligé de sauter au-dessus. Mange un bonbon avant, les gars, elle commence à tricher, elle mange du sucre pour avoir plus d'énergie. Pierre feuille ciseaux qui commence à attaquer. Pierre feuille ciseaux coupé. Je choisis que t'es le chat. Je suis le chat en premier, je vais aller tout au fond. Les gars, moi ma technique c'est de pas courir partout parce que sinon je vais me fatiguer. Et au contraire, c'est d'aller dans des chemins où il peut pas passer. 3, 2, 1, go. Là mon pote, tu restes sur place. C'est dingue, je crois que je suis dans Spider-Man ou quoi? Pourquoi j'ai fait ça? Allez! Non, vas-y! Les gars, je me suis fait pour Spider-Man, c'est trop bien. Les professionnels, ils ont un métier incroyable. Imagine, ton métier, c'est de jouer à chat, genre. Les gars, c'était trop facile, vas-y, je suis passé dans des chemins trop faciles. Juste là-bas, il a pas pu me suivre, c'est trop drôle. On change les rôles, les gars, je vais essayer de tenir 45 secondes. Je crois que pendant 45 secondes, si elle te touche pas, c'est là que tu gagnes. 3, 2, 1, go! Ok. J'attends, je vais faire une fin. Et viens m'attraper! Ok. Feinte! Incroyable! Yassine, tu te dis quand c'est bientôt le moment? Ouais. Touché! Elle m'a pas touché, vraiment. Jouez. Il reste 15 secondes. Touché! Aïe. Punaise, comment t'as fait pour m'avoir? En plus, sous la table, j'avais touché le pied. Non, tu m'as pas touché, en dessous de la table, tu triches. En fait, toi, t'as fait ça, t'as tourné, moi, je t'ai contourné, je t'ai touché. Vous avez vu les nuls en train de jouer, maintenant, vous allez voir les vrais pros. Quoi? Ok, vas-y, Yassine, on va voir Pierre Feuille Ciseaux. Il se prend trop pour un pro, genre. Pierre Feuille Ciseaux. J'ai choisi d'être chat pour la première. Ma technique, okay, ça va être de l'attendre et de partir que dans des feintes. Et vu que j'ai la super vitesse et je suis plus rapide de la famille, on pourra jamais m'attraper. Myriam, s'il te plaît, mon plus, c'est qu'il bosse. 3, 2, 1, c'est parti. Wesh, il bouge même pas. Ouais, on l'attend. Attrape. Bombarde-moi. Tu peux l'avoir dès le début. C'est parti. Ok, c'est parti. Bien joué. Myriam, attrape-le, Myriam. Ok, bien joué. Lui, en fait, il fait des feintes. C'est un gros tricheur. Incroyable. Passe au-dessus, tu le touches. Ah, la faille l'avoir. Allez, Myriam. Oh, il est parti derrière le but, le tricheur. Wesh, comment ça, il va derrière le but? Myriam, attrape-le à travers le filet. Regardez ce hagal ce qu'il fait. Touche-le. Il est bloqué, on dirait, il est bloqué. Aïe, il est KO. Vite, Myriam, vite, il sort. Ah, elle a pas touché, non, c'est pas touché. Ok, bien joué. C'est vrai, Yassine. 10. Ah, il te restait 10 secondes. Oh non, on fallait le dire plus tôt. Eh, c'est grave dur pour gagner de moi, il faut tenir 45 secondes. Les pros, ils ont grave du cardio. À la fin, j'étais cuit. 3, 2, 1, c'est parti, les gars. Pour l'instant, personne n'a réussi à tenir 45 secondes. Ok, bien joué. Myriam, pas vite sur les trucs. Il a failli casser la chaise. Carré, bien joué, Myriam. Bien joué. Et bien, vu qu'elle est, les gars, vu qu'elle a un petit corps, elle passe partout. C'est une dinguerie. Comment il arrive pas? Bien joué, Yassine. Tu peux l'avoir sur le virage. Ok, Myriam, bien joué. Accélère. Fais pas toujours les mêmes tours. Tu fais toujours les mêmes tours. Les gars, regardez, fais toujours la même chose. C'est cramé. 15, 14. En fait, Myriam, son gros problème, les gars, c'est qu'elle faisait toujours la même chose. Toujours, elle tournait comme ça. Il faut aller faire des pièges et des feintes. Non. Les gars, c'est trop dur. On dirait celui à lunettes, là, dans Malcolm, quoi, tu connais. Stevie? Ouais. Le moment le plus attendu, Younes vs Yassine. Moi, je mets une petite caisse en vrai de vrai sur Younes parce que Younes est plus rapide. T'es une tricheuse surtout. Pourquoi? T'es une rageuse. Ouais. Chat, 3, 2, 1, c'est parti. Ok. Il décide de pas bouger. Mais ça me roule. Wesh! Ah, mais comment il va là-bas? Ah, les gars, c'est vraiment une dinguerie. Ah, les gars, c'est des pros, c'est des pros! Lui, c'est le plus rapide de la famille? Mon œil! Un pro, lui aussi, il fait des trucs de ouf. On s'est trop bien amusé, les rails. On va se reposer un peu parce que c'est logique, on doit faire chat toute la journée. Pour l'activité de l'après-midi, vous savez même pas ce qu'on a là. Vous rappelez de Squid Game sur Netflix? Tout le monde l'a vu. Il y a la saison 2 et on a reçu les gâteaux à couper. Même si tu rates, prends une balle. Vas-y, Myriam, ouvre. On a l'aiguille en plus. On a le carré ici, vous avez vu? Moi, je vais le triangle, le rond et le parapluie. Le plus dur, c'était le parapluie. Donc là, Myriam, ce que je te propose, choisis-en un. Tu veux lequel? Je veux celui-là. Ok, elle a pris. Oh, le carré! Imaginez-vous, les gars, ils avaient combien de secondes dans Netflix? Je crois qu'ils avaient 1 minute 30, un truc comme ça. Et si tu rates, tu te prenais une balle. Faut bien réussir, Myriam. Vous savez, c'est la technique de la fille.
Ah oui, c'est vrai. Ça va, c'est carré, mais moi je te conseille de faire avec l'aiguille. Eh, hey, l'aiguille, elle est trop... Est-ce que je peux faire un petit peu, moi aussi? Vas-y, mais toi tu fais une autre forme. 24 heures. Eh, hey, les amis, vous voulez que je le finisse vite? La technique de zinzin. Ah, tu veux que je le finisse vite ou pas? Et je fais un dernier carreau, après tu fais, regarde, tu piques, comme ça. Attention, tu vas le casser. Non, je le casse pas. En fait, faut juste piquer. Oh, c'est trop bien comme technique. Tiens, le dernier bout. Et voilà le carré. Attends, il y a juste... Dites-nous si pour vous c'est validé, les amis. Si c'est validé, mettez un like. Si c'est pas validé, abonnez-vous. Quand on était petit à l'école, on jouait toujours à chat perché. Ça m'a donné trop envie. Du coup, là, on va faire un méga chat perché à 3 dans la salle. Celui qui n'est pas le chat en dernier aura le droit à un méga fast-food. C'est quoi les règles du chat perché? Alors, en gros, il y a un chat classique. Et ceux qui se font toucher, qui courent, ils doivent se mettre en hauteur pour ne pas se faire toucher. Donc, quand ils se mettent en hauteur, on a pas le droit de les toucher. Et quand ils sont en train de courir, on peut les toucher. Pour savoir qui va être le chat en premier, parce que évidemment, personne veut être le chat, par si vous voulez être le chat. Non. On dit un fast-food chacun notre tour. Celui qui en a plus, c'est le chat. Kebab. Un taco. Une pizza. Une tortilla. Une crêpe. Un burger. Un naan. Un panini. Un hummer. Ouais, c'est un croque-monsieur. Vous savez les œufs là que tu mets dans les, dans les... Alors un œuf n'est pas un fast-food, c'est le chat. T'es chat. Genre tu mets de la sauce algérienne, tu sais plus comment ça s'appelle. 3, 2, 1. Merci. Mais t'as pas le droit. Comment j'ai le droit? Percher. Non, j'ai été percher. Pour la peine, c'est moi seul et moi-même qui a le fast-food. Bon, en fait, ce qui est dur, c'est que t'as pas le droit de te percher plus de 5 secondes et y a pas d'obstacle à côté. Du coup, vu que c'est trop petit, bah c'est trop dur. Le chat, ça m'a donné trop faim et trop soif, donc j'ai pris du point B. Les gars, point B, c'est le meilleur fast-food au monde. Oh, les gars, il est incroyable. Ça, est-ce que vous avez déjà vu ça? Regardez, c'est pas un Big Mac, mais genre, mode ici, c'est viande et en bas, c'est chicken. Oh, c'est un mélange. Ouais, genre, c'est. Genre, si par exemple, genre, je sais pas te départager en. C'est un hybride en fait. Ouais, voilà. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Vas-y, goûte pour voir. Waouh, c'est que la sauce, ça a l'air incroyable. Les gars, c'est incroyable, vraiment, je vous recommande de goûter. Vraiment, ça a goûté. Hein. Ah ouais? Une note de 1 à 10? En vrai, 10. Maintenant, on va... 10 sur 10. Ouais, vraiment... Incroyable. Moi, les amis, je vous dis la vérité, quand j'étais petit, je kiffais jouer à chat, c'était un de mes jeux préférés avec jouer au foot, bien évidemment. En fait, tu joues avec tes potes, tu t'amuses, c'est trop bien. Les gars, c'est ça qui m'énerve. Regardez, ils mettent trop dans les fast food. T'aimes pas? Non. Mais c'est trop bon, les cornichons. J'aime pas. Ah, Younes, t'as pas trop la haine de pas trop manger de fast food? Oh, j'ai pas trop la haine, bien sûr j'ai trop la haine, mais les gars, c'est pas grave. J'ai appris un nouveau geste technique incroyable, les gars. Celui-là, 2024-2025, c'est moi je l'ai inventé. Regardez, tu jongles, incroyable le geste. Tac, et après d'un coup, tu fais quoi? Tu fais ça. Wouh, oh là là, les rails, je kiffe trop. Pourquoi le football? Wouh. Pourquoi je suis trop fort au foot? Pourquoi je suis trop... Dites-moi, s'il vous plaît. Pourquoi j'ai un don dès la naissance d'être fort au football? Regarde, je vais faire un truc, la personne sait le faire. Les gars, je regarde qu'il n'y a plus de cornichons, c'est bon. Là, les gars, je vais faire un combo vraiment incroyable. Vous prenez 3 frites, c'est important, 3 frites. Vous les trempez dans de la mayo et vous les mettez là. Et là, vous faites un gros mais de malade mental. Bismillah. Les gars, c'est incroyable, on dirait du poisson ici, genre on dirait pas de la viande. Genre, je sais pas, genre avec les frites, c'est un goût de poisson. Je sais pas, c'est bizarre. Alors là, si je réussis, vous êtes tous obligés de mettre un like. Je m'en fiche, si la vidéo fait 5000 vues, je veux 100 000 likes. Je vais faire un truc impossible, je vais jongler et essayer de la mettre dans le petit trou là-bas, c'est archi dur. Avec tout le monde, prends-toi, mec. C'est une blague. J'arrive pas à l'ouvrir. Oh, je suis là, t'inquiète. Je peux m'ouvrir? Oh, tiramisu, les gars, tout l'été, on en a pas mangé. Le retour des tiramisu pour l'hiver. Ah, mais ils sont trompés. Ah, non, j'ai... Les gars, regardez, Oreo, mamacita de la noche. Tu peux m'en donner un peu? D'abord, je goûte d'abord. Vas-y, goûte, ma petite sœur. Les gars, regardez comment il est. Fais un croc de petite sœur, pas un croc de grande sœur, s'il te plaît. Un croc de petite sœur. Ouais, voilà. Elle a pris toutes les couches. Waouh, mamacita de... Ça fait quoi le retour des tiramisu? C'est incroyable. C'est incroyable. C'est son seul mot qu'elle connaît le, depuis sa vie. Le retour des tiramisu, il arrive en pompe. Il est incroyable. Vas-y, maman, une cuillère pour les grands frères. Allez, Mimi, allez, bismillah. Comme tu me faisais avant.
Raciste. Pour le dernier chat de la vidéo, moi personnellement, il y a un chat qui s'appelait Chat Glacé. Est-ce que tu connais Chat Glacé? Ouais. Dès qu'on touche, on est glacé, mais on va le faire en mode YouTube. Si Myriam, je te touche, t'es glacé pendant 20 secondes. Et pendant 20 secondes, j'ai le droit de lui faire n'importe quel prank que je veux. Vous avez vu le terrain, maintenant on a enlevé tous les obstacles. Il reste plus que deux obstacles. Ah, mais si, attends, par exemple, vas-y, touche-moi. Ouais. Je te touche. Non, ça existe pas. Je te touche pendant 20 secondes, t'es glacé. Vu qu'on est trois, on va lancer le dé chacun à notre tour. Et celui qui fait le moins score sera le chat. Je commence. Vas-y. J'espère que tu fais 0. Ok, c'est parti. Ouais. T'as lancé grave loin le dé. Il a fait 4. 4. Tiens, t'as de rigoler, tu vas faire 1. Ah, t'es sûr? Vas-y, go. Allez, 1. 3. Yes. Déjà, c'est pas moi le chat. Déjà, c'est Myriam pour l'instant, je sais. J'ai Ronaldo dans mon dos. Allez, Ronaldo, stop les Ronaldo. 1. Je vous ai dit, Ronaldo, il a 40 ans. Arrête le foot, c'est bon, arrête. Younes, c'est le chat. Moi, je suis celui qui court. Et Yacine, celui qui filme, mais il peut courir si. Si je la touche, elle est dans un bourbier. 3, 2, 1. C'est parti. Pourquoi tu me lances ça? Attention. J'ai trompé. Enfin, je vais te toucher. Non. Il a fait. S'il te plaît, arrête. Ok, les gars, je suis pas un hackgat. Si elle répond bon à la question, elle est plus chat glacée. Myriam, récite-moi l'alphabet à l'envers. Z, Y, Q, S. Arrête. A few moments later. Si je le touche, oh là là, il va subir, il va devenir un papillon tellement il aura pris. Arrête, moi j'ai rien fait. Myriam. Les gars, moi je reste à l'écart. Mais moi j'ai rien fait, Younes, c'est derrière, rappelons. Non, arrête. Arrête, s'il te plaît, j'ai rien fait. Tu pourras pas me toucher, je suis le plus rapide de la famille. Oh, elle est passée en dessous. Oh la B. Elle a mis une feinte, je savais. Tu pourras pas me toucher, je suis le plus rapide. Aaaaaah! Accélération, bien sûr. Petit pro-vie. Non, pas moi, arrête. Tu vas voir ce que je vais te faire. Je vais t'attraper, tu vas voir. Je suis en train de courir sur les cas. Vas-y, toi, je suis derrière les cages. Moi aussi, je viens derrière les cages. Arrête, viens pas avec moi. Bah. Non. Alors. Oh, les gars, moi, va le hagal dans le sport. Oh, Myriam, profite, il a tes ordres. Je suis fatigué. Je m'en fiche. Maintenant, tu vas faire 10 squats. Et pendant tes squats, à un moment, tu vas t'asseoir avec les araignées, tu vas leur dire tout. Arrête. Je suis mort. 1, 2, 3. Assis-toi avec les araignées. Ah, s'il vous plaît. Non, tu t'assois. Il y a des araignées partout. C'est le but. Dis coucou les araignées. Et regardez ici. Oh là 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 là. Obligé de donner la caméra, c'est bien, personne peut te toucher, mais là... C'est moi le chat, je vais me venger, vous allez vous le mettre avec des araignées, se trouve, ils m'ont piqué partout. Vous allez voir, je vais me venger. Ah, c'est parti. T'as cru que j'allais t'oublier. Bon, il est où Younes? Il est parti où? Myriam, il est où? Je sais pas, moi. Ouais. Oh mon gars. Alors toi, mon gars, tu touches pas, toi, mon gars. La table. Non, pitié. Mais il a pas le droit! Younes, tu dois sortir! Bon bah reste que toi et moi. Je vais te toucher! Accélérateur, qu'est-ce que tu penses? Oh là, Yacine va l'attraper! C'est parti, on y va! Ah! Quoi ça? Arrête! Touché! Non! Rasage, ça va être pas mal. Non, pas le rasage! Moussa rasé! Rasage, pitié, vous avez fait de l'eau! J'ai un nouveau maillot d'Al Nassr Adidas, il coûte 100 euros! Mais t'inquiète pas, on va pas viser le maillot. Si tu réponds bon à ces 3 questions, 10 fois 4, 24. 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. J'ai dit, si tu réponds bon à ces 3 questions, je te mets un rasage dans ma tête. Non! Mais non, j'aime pas ça, ça va me tuer ma peau! Yacine, ça fait des boutons! Oui, dans le front, voilà, dans le front. Ça fait des boutons! Étale maintenant, étale! Regardez, je vais faire un visage. Ah, ouais. Il y a deux yeux, un nez et une grosse barbe. Non, on va laisser ta voix, ça lui fait un visage, c'est trop drôle. Non, mais non. Comme ça, quand il va vouloir se nettoyer les mains. Mais Yacine, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà. Comme ça, quand il va vouloir se nettoyer la figure. Il pourra pas. Allez, on se casse. Les gars, je leur ai mis de l'eau et lui, il a fait des pompes. Et moi, je me retrouve avec de la confiture de pommes de terre sur la tête, là. Ah, ça me dégoûte. Les papas qui mettent ça sur vos visages, je sais pas comment vous faites. Ça pue, ça fait des boutons. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à remercier Myriam pour cette idée. Franchement, Myriam, au début, je pensais pas qu'on allait autant s'amuser. Faire rappeler des souvenirs d'enfance, c'était incroyable. N'oubliez pas de mettre un gros like, abonnez-vous. Myriam, c'était quoi ton moment préféré de la vidéo? Moi, on s'en fout. Allez, salut. Je vous dis quand même, vous, c'est la famille, chier, vous en foutez pas. Moi, mon moment préféré, en vrai de vrai, c'était pendant que vous faisiez le chat perché. C'était incroyable. Ciao, ciao.